Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, Deo gratias. Vous avez entendu? Le baron de Valois est mort. Non. Maintenant, Bartolomeo d'Alviano va sûrement s'opposer au pouvoir du pape. La campagne de Cesare est compromise. Est-ce là une mauvaise chose? Peut-être pas. D'aucuns prétendent que le pape est privé de toutes ses ressources. Sous le sérieux? Ses caisses ne peuvent pas être vides. Si l'argent venait à lui manquer, sa sainteté ferait assassiner un autre cardinal fortuné. C'est indigne. S'appelle Ezio Auditore. Qui? L'assassin. Celui qui a tué le banquier. On raconte qu'il est capable de s'introduire à l'intérieur du Vatican sans que personne ne puisse l'arrêter. Alors tout n'est peut-être pas perdu. Le règne de Cesare va enfin cesser et l'Église retrouvera sa gloire. J'écrirai les sermons et je les déposerai à l'intérieur du tombeau. Surtout, tâche de te montrer convaincant et dévoué. Les adeptes obéissent aveuglément à nos ordres, padrone. Tous croient suivre la parole de leur dieu. Bene. As-tu apporté la clé? Oui, padrone. Que le Seigneur soit avec toi. Et avec vous, padrone. Assassino! Tu ne m'attraperas pas! En me rapprochant un peu plus du Seigneur, je m'éloigne un peu plus de toi, assassino! Interdit.
J'ai l'impression que Dieu est de mon côté, assassino! Les adeptes de Romulus œuvrent tous pour le pape! Évidemment, ce sont des ignorants! Nous seuls détenons la vérité! Leur barbarie convaincra le peuple de suivre la lumière de l'Église! Bonne chance! Imbécile! Comment peux-tu déclarer la guerre au seul instrument qui empêche le peuple de renverser le pouvoir en place? Ton ordre appartient au passé! Vite! Arrêtez cet homme! Requiescat in pace.